Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bonsoir, c'est votre émission Let's Talk. Bonsoir à ceux qui sont connectés, c'est votre soirée. Let's Talk, notre émission, Let's Talk, votre émission dont je suis la présentatrice. Nous sommes de retour ce soir, nous sommes venus encore, voilà, et nous allons passer un temps comme ça, en compagnie de l'équipe Let's Talk, dont je m'en vais déjà saluer. Alors, je salue mon équipe, l'équipe Let's Talk depuis France, Rita, Bessombi, Natacha Lutumba, Karine Kwami, John Bessombi, UK, Maman Kelvin, Vinci, Maman Cécile Mondeke, Maestro, Meyango Armani, Maman Pierrette, bonsoir. Maman Jeanne Chibassou depuis France, bonsoir à ceux qui sont connectés. Alors, nous sommes venus ce soir. Bonsoir aussi à Eric, collaborateur fidèle à l'émission. Vraiment, Eric, bonsoir à toi. Coucou et Eric, tu peux saluer encore l'équipe Let's Talk qui est connectée ce soir et les amis de Let's Talk. Bonsoir, bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est un nouveau concept, donc on va plus te laisser parler. Donc, voilà, j'ai hâte de voir ça. Ah, merci beaucoup.
Un nouveau concept dans Let's Talk, votre émission. Un nouveau concept, voilà, parlons-en. Let's Talk, Tolobelela. Tolobelela, Makambounionso. Alors, ce soir, nous sommes venus avec un nouveau concept dans Let's Talk, votre émission que vous aimez tant. Le concept, c'est hein, Coach Time. Coach Time, c'est un moment de coaching, tout simplement. Un moment où je vais coacher, je deviens coach, je deviens votre coach, je deviens coach à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors coach, quel est le rôle d'un coach? C'est de justement de montrer, hein, de montrer le chemin, de montrer les règles, de montrer, de conseiller, voilà, de motiver, ça c'est le rôle d'un coach. Alors je vais jouer ce rôle-là ce soir parce que n'oubliez pas, nous sommes dans Let's Talk. Let's Talk, nous pouvons parler de plusieurs façons, nous pouvons parler de plusieurs manières. Hein. Bonsoir à toi Papito, bonsoir Natacha Lutumba, partage. Avant de commencer cette émission, je vais arrêter la musique et on va commencer directement. Mais j'attends vos partages, j'attends vos j'aime. Si vous êtes là, hein, faites un signe de j'aime parce que ce soir, nous allons parler. Ce soir, je vais vous donner des conseils. Ce soir, je vais coacher un peu. Donc, Eric est à mes côtés, Eric sera là, moi je vais vous coacher. Ce soir, nous allons parler d'un thème, mais j'aimerais qu'on essaie un peu de partager, hein, même deux, trois partages là, ça va nous faire du bien, ça va nous faire du bien, mes amis, si vous êtes là, signalez que vous êtes là, je vais citer vos noms, mettez-moi le cœur, on veut parler ensemble, mettez-moi vos cœurs et la régie va, voilà, balancer si vous mettez un commentaire, un petit coucou, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toi, maman Cécile Mondeke, si tu es connectée, bonsoir à toi, un coucou me fera du bien, mettez un commentaire, dites-moi bonsoir, bonsoir à vous, hein, bonsoir à ceux qui sont connectés. Un moment de coaching ce soir, nous parlons de la relation, nous parlons de, ce, de cette relation-là à distance. Voilà, nous allons parler de cette relation à distance. Alors ce soir, je vais vous parler de la relation, relation à distance, excusez-moi, je suis en train d'arranger un peu ici. Alors, c'est quoi déjà la relation à distance? La relation à distance existe, bien sûr, oui. Je sais que beaucoup d'entre vous hein, ont vraiment sont dans ces genres de relations à distance. Je suis là, tu es de l'autre côté. Je suis là, tu habites à 8000 kilomètres de là où je suis. C'est une relation à distance. Nous sommes en couple, mais nous ne vivons pas hein, ensemble. Nous ne vivons pas dans une même maison, nous ne vivons pas dans une même ville. Ça, c'est la relation à distance. La relation à distance peut être de plusieurs manières, peut être causée par plusieurs faits ou réalités ou circonstances. Quand je parle de la relation à distance, je vois cela, qui se sont connus déjà, qui se connaissent, qui se voient et qui se sont rencontrés quelque part, mais ils habitent pas dans une même ville ou dans un même pays ou même dans, pas dans un même continent. Donc, ils se sont vus, ils se sont aimés, mais il y a la différence qui les sépare, ils sont en couple. Je vois aussi ceux-là qui habitaient déjà ensemble et à un moment, par des raisons professionnelles, ils sont obligés de se séparer comme ça pour un temps, pour un, une raison professionnelle. La femme doit aller travailler quelque part dans un autre pays ou c'est le monsieur qui doit aller travailler dans un autre pays. Il arrive qu'ils ne sont plus ensemble. Donc, ils ne sont pas dans une comment une relation, ils vivent dans une même maison ou dans une même ville. Ok, cette relation est possible, cette relation, nous savons que ça existe. Je sais que ça existe. Très difficile de pouvoir réussir une relation comme ça à distance. Ça, je peux vous le garantir, je peux vous le dire parce que, voilà, par rapport à l'expérience, par rapport aussi à quelques connaissances, par rapport à ce que j'ai vu, je peux vous coacher ce soir. Pour ceux-là qui sont
dans ces genres de relations, à distance, bien sûr. Écoutez-moi très bien. Alors, je suis en train de parler à ceux qui sont sérieux, qui veulent, voilà, ils ont déjà un programme et ils veulent un jour, parce qu'il y a pardon, la distance, mais un jour, ils vont habiter, être ensemble quelque part. Je parle à ceux-là qui savent déjà ce qu'ils veulent. Alors, écoutez-moi. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, là, vous pouvez zapper ou vous pouvez attendre un moment, un autre moment de coaching. Hein. Mais pour le moment, je parle à ceux qui sont sérieux dans une relation, mais à distance. Une relation à distance possible, vous pouvez maintenir, vous pouvez continuer, vous pouvez réussir à aller de l'avant, à faire, pardon, aboutir à votre objectif. Oui, mais je vous donne 5 conseils. 5 conseils déjà pour commencer. Il y aura la première partie ce soir, la deuxième partie, peut-être la troisième, je ne sais pas encore. C'est la première partie. Il y a beaucoup de points à aborder, mais je vais aborder 5 points. Voilà. Coach Patti Béton. Ce soir, merci beaucoup. C'est votre mission Let's Talk. Number one, numéro un. Numéro un à retenir. Voilà, il faut essayer de définir votre relation déjà au départ. On se connaît, on est d'accord d'être ensemble, mais il y a la distance qui nous sépare. Définissez votre relation. Je vais dire quoi par là? Exemple, si vous êtes déjà ensemble, vous savez ce que vous voulez, mais il y a la distance qui vous sépare. Il y a un moment, il faut dire, voilà, nous sommes là, mettons les choses sur table. En l'espace peut-être de 2 ans, nous allons tout faire pour être ensemble, vivre une vie commune. Voilà, là, vous définissez déjà ce que vous voulez. Vous avez des objectifs dans votre couple. C'est comme ça. Bien que vous êtes à distance, mais ces objectifs-là vont vous retenir. Ces objectifs-là vont faire que vous allez travailler en fonction de ça. Connaître d'abord ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut réellement être ensemble, mais définir aussi par rapport au temps. Une relation à distance qui n'est pas définie par rapport au temps, ça sera une relation à distance éternelle, avec un temps vraiment indéterminé. Et ça, ce n'est plus une relation. Je vous assure que ça ne va pas réussir. Vous n'allez pas réussir à tenir dans une relation. Vous ne savez même pas quand est-ce que vous allez vous mettre ensemble, quand est-ce que vous allez vivre une vie commune. Je ne sais pas, c'est difficile. Je n'ai pas encore vu, hein, de personnes qui vivent. Je suis au nord. Il est au sud, il est au sud, je suis au nord et on reste comme ça éternellement. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça et je n'ai pas encore vu. Alors, vous devez définir, les temps doivent être fixés, les temps doivent vraiment être fixés dans votre couple et ça, c'est notre premier point. Je continue avec le deuxième point et je rappelle, excusez-moi. Je rappelle aussi que j'aurai à parler pendant un temps. Je vous donne mes points et la ligne sera ouverte pour donner vos expériences ou peut-être poser la question. Je continue ma deuxième point. Pardon, mon deuxième point et ceci, c'est la confiance. C'est la confiance, bien-aimé. C'est la confiance, mes amis. Alors, quand tu es en couple déjà, pour ceux qui vivent ensemble, pour ceux qui sont dans une même maison, il faut déjà qu'il y ait la confiance. Il y a combien plus forte raison à tu es en couple avec une personne qui vit vraiment loin de toi. Il y a la distance, il y a vraiment cette distance qui vous sépare. Alors, il faut qu'il y ait la confiance. La confiance d'abord en soi. Parce que si je n'ai pas confiance en moi, ce serait très difficile que je fasse confiance à l'autre. Si je n'ai pas confiance en moi, je vais voir le mal partout. Si je n'ai pas confiance en moi, je vais croire que, voilà, monsieur, il a les yeux de gauche à droite quand je ne suis pas là. Je dois d'abord me rassurer. Moi-même, je suis bien dans ma peau. Alors, quand je suis bien dans ma peau, je sais donner les meilleures de choses à l'autre. Cela veut dire tout simplement, quand il n'est pas là ou quand elle n'est pas là, crois qu'il est là pour toi ou qu'elle est là pour toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alors,
Dans cette relation qui est à distance, quand il n'y a pas la confiance, c'est très difficile. C'est très difficile de continuer dans ces sens. Parce que vous ne le voyez pas, il ne vous voit pas, et vous êtes là en train, votre relation est aussi basée sur la confiance, votre relation est aussi basée sur l'honnêteté. C'est que l'autre est en train de te dire, tu dois croire parce que tu lui fais confiance. Voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, même dans la vie, faites confiance. Et vous allez voir la suite. Alors, on fait confiance à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime parce que nous savons que nous ne sommes pas, on ne se voit pas tous les jours. Mais si je lui fais confiance, je serai tranquille. Quand j'appelle, pardon, il n'est pas là. Je ne vais pas me mettre à feu. Je ne vais pas commencer à crier. Je ne vais pas commencer à tourner, je vais pas, ma tête ne va pas commencer à tourner. Je vais pas, je reste tranquille, je suis serein, je suis sereine. Je me dis, mais attends, même quand j'appelle, il ne répond pas, il répondra peut-être après, il est en train de faire quelque chose, elle est en train de faire quelque chose, peut-être qu'il travaille ou elle travaille, elle a besoin du repos, ou peut-être qu'elle a déposé ou il a déposé son téléphone quelque part, il le prendra, mais du coup, quand on appelle, on n'arrive pas à atteindre la personne, on est là, inquiet. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il me trompe? Il m'a trompé, il a fait ceci, il a fait cela, j'en ai marre de cette relation, je vais arrêter, voilà, je ne le vois même pas, je ne sais pas, c'est pas. Et c'est quoi l'histoire? C'est quoi le problème? Pourquoi tu te mets à feu comme ça? Calm down, keep quiet. Assieds-toi, 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 calme-toi, hein, voilà, calme-toi. Il arrivera un moment où il entrera en contact avec toi. Il arrivera un moment où tu pourras lui parler et il va te rassurer. Mais d'abord, il faut avoir confiance. Confiance à ce qu'elle te dit, confiance à ce qu'il te dit, parce que vous ne vous voyez pas, mais c'est seulement vous vous croyez par parole. Vous croyez à ce que vous croyez à ce qu'il vous dit ou à ce qu'elle vous dit. Donc, il y a d'abord cette base-là aussi qui est très importante dans la vie d'une personne ou de personnes qui vivent en couple, mais qui sont vraiment éloignées. Voilà, ça c'était mon deuxième point. Alors, le troisième point que je vais aborder, c'est la communication. Alors, la communication, déjà dans un couple, la communication est très, très, très importante. La communication est très importante. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec la personne avec qui on est. Communiquer avec son entourage. Communiquer avec ceux qui sont à nos côtés. Mais là, nous parlons de son conjoint. Nous parlons de la personne avec qui nous vivons, mais qui est loin de nous. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen qui vous rapproche. Parce que sans la communication, c'est fini. Votre couple ne peut pas tenir. Sans la communication, vous ne vous voyez pas. C'est pas du genre, il habite deux avenues après moi. Même si je ne lui parle pas aujourd'hui, demain, ben, on se verra, on se parlera. Il n'y a pas de souci. Ou je peux me lever, aller frapper à sa porte. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pas comme ça. Tu ne le vois pas, il ne te voit pas. Alors, il faut créer cette ambiance-là. Il faut créer la communication entre vous. Essayez de communiquer, tout le temps communiquer et comment communiquer. Alors, là, je vais m'attarder un peu sur ce point-là qui est la communication dans ces couples-là à distance, la communication dans une relation à distance. Alors, la communication peut être variée aussi. Essayez de varier votre moyen de communication. Je sais qu'aujourd'hui, il est plus facile de communiquer avec nos smartphones, appeler si nous avons les WhatsApp, nous. Voilà, nous appelons par WhatsApp, nous appelons par Messenger, c'est facile, c'est bien. Il y a le SMS, nous envoyons les messages comme ça, c'est très bien,
C'est déjà, c'est quelque chose qui est bien, ça vous consolide, ça vous met encore ensemble, vous êtes encore ensemble, vous vous rapprochez parce qu'il y a cette communication. Tu te lèves, tu veux savoir comment va l'autre, il est à distance, je ne le vois pas, comment il va en ce moment, comment il a passé sa nuit, il a dormi comment, il se réveillait comment, il doit aller au boulot ou elle doit aller au boulot. Tu te rassures quand même. C'est un moyen aussi de vivre votre relation, bien qu'elle soit à distance. C'est un moyen de la vivre comme ça. En étant en communication, nous parlons au travers du téléphone, voilà les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire que ça ne suffit pas. Il y a d'autres moyens de communication. Essayez de varier parce que vous ne vous voyez pas, il est loin, tu es loin et tout. On ne se voit pas souvent. Pourquoi ne pas créer quelque chose, une ambiance qui est un peu variée comme ça? Alors moi, je sais qu'il y a les emails. Je sais combien d'entre vous aujourd'hui utilisez encore les emails pour envoyer à son ami. Je ne sais pas. Mais vous pouvez le faire juste pour casser la monotonie. Casser la monotonie dans votre moyen de communication pendant que vous communiquez. Voilà, casser, essayez de chercher quelque chose pour varier un peu. Vous ne vous voyez pas, vous avez besoin de varier les choses. Vous avez besoin de faire des nouvelles, comment, créer, hein. Il faut avoir un esprit de créativité et l'email, ça a déjà été créé, mais nous voulons justement que ça soit utilisé pour communiquer. Envoyez-lui un email, envoyez-la un email. Oh, ok. Comment, pourquoi est-ce qu'il envoie un email pendant qu'on parle? Non, 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 c'est juste pour casser la routine, c'est juste pour casser la monotonie. Et voilà. Pourquoi ne pas écrire? Tu as son adresse? Je ne pense pas. Envoie une lettre, une carte postale, par poste, bien sûr. C'est un moyen de communication aussi. Hein? Envoie une lettre, écris, voilà tout ce que tu veux, les mots qui peuvent vous rapprocher, les mots gentils, les mots doux, mettez-le dans une enveloppe, mettez dans une enveloppe, envoyez cela. C'est un moyen de communication aussi, une façon de varier les choses, une façon d'alimenter les choses, une façon vraiment de faire que de faire vivre votre vie de couple à distance. La relation à distance, ça doit être nourrie. Et par la communication, on peut nourrir notre vie de couple à distance. Il n'est pas là, elle n'est pas là, vous ne vous voyez pas, mais vous essayez de varier les choses. Voilà la communication. On cherche à savoir comment ça se passe, les choses, mais par d'autres biais de communication. On oublie un peu ce qu'on utilise tous les jours, bah, c'est plus facile et tout, mais essayez un peu de surprendre. Surprends un peu. Voilà, surprends la personne en lui envoyant un email. Hein, si tu connais son adresse email, je ne pense pas que tu connais son adresse email. Essaie de demander et tu le feras. Ça fera du bien. Tu vas voir. Une carte postale, ça fait du bien. Écris une adresse. Son adresse, hein, écris. Hein, parce que la personne qui est là, un jour, il voit. Parce que vous parlez toujours au téléphone. Hein, mais un jour, on lui remet une carte venant de toi. Oh là là, ça surprend et ça fait du bien, ça fait revivre encore. Il y a plusieurs manières de communiquer et là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais passer à mon quatrième point. Mon quatrième point est celui de, voilà, essayer un peu d'être, comment dire, comment je peux dire, avoir un, comment, un contact physique permanent ou régulier, hein, le plus possible. Ça ne peut pas être permanent parce que c'est une relation à distance. Mais faisons, hein, faites de façon que vous vous voyez vraiment plus, vous vous voyez plus régulièrement, si possible, hein, si possible, je ne sais pas la distance qui vous sépare, c'est comment, mais essayez de le faire quand vous pouvez. Parce que si dans une relation à distance, il n'y a pas ce rapprochement-là physique, c'est très difficile aussi de tenir. Il faut qu'il y ait un rapprochement physique. Un rapprochement physique, c'est voir la personne avec qui nous sommes en couple, bien sûr. On parle au téléphone, il y a la communication. J'ai confiance en lui, mais il faut que je le voie. Pardon, excusez-moi. Il faut que je le voie. Il faut que je le voie.
Hein? Je vais le voir. C'est comme ça. Le contact physique, ça compte beaucoup. Il faut voir comment la personne réagit en face de toi. Il faut voir comment la personne est, voilà, physiquement. Oui, je parle pour ceux qui ne sont pas encore vus, mais pour ceux qui sont déjà vus, c'est un moyen de se rapprocher. Ce moyen de se rapprocher, on peut le faire d'une manière, je veux dire, en fait, souvent, mais que ce soit régulier. Je prends un exemple, je vous donne un exemple. Si on se voit, par exemple, une fois par mois, OK, on s'est mis d'accord de se voir une fois par mois. On se voit une fois par mois, mais quand on se voit une fois par mois, essayons d'être d'accord, de faire de sorte que le mois prochain, si on se décide de se voir chaque mois, voilà, je voulais dire, si on se décide de se voir chaque mois, essayons de voir ce mois-ci, on s'est vu. Et le mois prochain, on se voit. Donc après 4 semaines, on se voit. Arrêtons de faire de façon quand on se voit aujourd'hui, on passe une semaine ensemble, alors on se voit après 6 mois. Là, ce sera vraiment, ça va pas tenir, ça va pas tenir. Vous voyez aujourd'hui, un mois, oui, d'accord, on se met d'accord, on se voit dans 4 semaines, mais restez dans ces rythmes-là. Rester dans ces rythmes-là, qu'il n'y ait pas trop d'espace, qu'il n'y ait pas trop vraiment de, comment dire, ne restez pas très longtemps sans vous voir pour dire que quand on va se voir, on va passer plus de temps ensemble. Non, si vous voyez chaque mois, pour 2 jours, ça va. Mais restez chaque mois ensemble, voyez, contactez-vous, pardon, ayez un contact physique chaque mois. Au lieu de faire, vous voyez une fois pour passer peut-être 7 jours et vous revoir après 6 mois. Là, ça va tuer. Ça tue la relation. Appelles-tu feu, ça va partir. Alors, vous n'allez pas tenir. Hein? Essayez de garder vraiment ce rythme-là. On s'est mis d'accord de se voir chaque 2 mois. Restez dans ça. Voyez-vous chaque 2 mois. Arrêtez de mettre, en fait, de se voir plusieurs jours pour après se revoir après plusieurs mois. Non, 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 là, vous êtes en train de tuer votre relation et ça ne va pas marcher. Alors, un autre conseil hein, à donner, le cinquième point que je vais donner en ce moment, c'est essayer d'être, comment avoir les projets ensemble. Essayez de faire les choses ensemble. Soyez sur le même diapason. Même quand vous prenez des décisions, faites-les ensemble. Quand vous voulez faire quelque chose, parce que vous devez vous voir, je donne un exemple, si vous devez vous voir, faut pas qu'il y ait une seule personne qui a trop envie, qui montre que c'est lui ou c'est elle qui a trop envie de venir voir, ou que c'est la même personne qui fait les efforts, qui sort le budget, qui prend les avions si vous êtes vraiment loin pour aller. C'est la seule personne qui se casse la tête pour dire que oui, voilà, je dois me déplacer et l'autre est dans son coin tranquille. Non, là, ça ne montre pas que vous êtes intéressé par votre relation. Vous n'êtes pas intéressé. Intéressez-vous autant que l'autre. Si votre femme ou votre ami s'intéresse vraiment et voilà, elle a des projets du genre, voilà, on se voit peut-être le mois prochain, il faudrait un budget pour le déplacement. Oui, aidez-la aussi. Ne laissez pas qu'elle fasse tout toute seule, hein. Et puis la femme aussi, aidez le monsieur à pouvoir aussi, voilà, sortir un budget, avoir un budget pour que vous ayez vraiment un projet d'ensemble. Alors, si l'un est comme ça, l'autre est comme ça, voilà, ça va pas tenir. Ça veut dire que si moi, je suis motivée à faire ceci, motivée à pouvoir, voilà, se mettre ensemble dans 2 mois ou dans 2 ans ou dans 6 mois, et que l'autre est un peu froid, il n'est pas motivé, il ne dit rien, il attend seulement que tu fasses le premier pas, après il réagit, non, 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 là c'est pas normal, là il y a quelque chose qui cloche et là je sais que je pense que
Vous n'êtes pas intéressé dans cette relation. Une relation à distance, vous devez être vraiment ensemble en esprit, vous devez être ensemble quand vous faites les projets, vous devez vraiment vous entraider, surtout côté, parce qu'il faut mettre un budget pour les déplacements et tout. Vous êtes comme ça, vous êtes à distance, il faut mettre un budget pour les déplacements. C'est ça une vie de couple, c'est ça une vie d'une relation que vous avez, là où vous êtes, une relation à distance. Essayez d'être un peu sur le même diapason. Essayez de penser aussi à l'autre. Essayez de discuter ensemble afin que vous ayez un même point de vue à la fin. Et je pense que ça ira. Voilà, ça c'était mes 5 points pour maintenir une relation à distance, pour mieux réussir sa relation à distance. Définissez votre relation, ayez confiance l'un envers l'autre, communiquez bien. Hein, et mon 4e point, c'était, voilà, il faut essayer de vous voir. Il faut qu'il y ait un contact physique et puis ayez vraiment, voilà, faites des efforts d'être, de faire tout à deux. Ça, c'était mes conseils pour la relation à distance. Alors, je m'arrête là pour le moment. J'attendrai les questions, hein, vos questions ou les questions d'Eric qui est là parce que pour le moment, je m'arrête. Je vous rappelle que c'est la première émission de Coach Time. Coach Time, un moment de coaching comme ça et on va libérer la ligne par après. Eric va parler. On va libérer la ligne. Alors, pour mes amis, Bande Kolangai, Oto Solana Lingala, donc voilà, Tozolo relation na biso oyeya musika. Relation musika et sengaka mingi bandeko, nauti kolobango na français. Tout à l'heure, tu refongo la ligne et beaucoup benga tu la vraiment bien na monokonyo sobolingi. Alors, je laisse la parole à Eric. Il va peut-être me demander, poser quelques questions, je ne sais pas. Eric, tu es là? La parole est à toi. Écoute, je suis scotché là. Bon. Donc, c'est Patricia Bessombi, a.k.a. Patty, a.k.a. donc, a.k.a. MC Patty Béton, Merci. a.k.a. Coach Danny, Coach Patty Béton, c'est ça? Bon, Aka coach Patty Béton. écoute, je suis scotché. Avant peut-être d'entrer dans le sujet proprement dit, moi je voulais Oui. d'abord savoir quelle est la spécialité de coach Patty Béton. Parce que coach, c'est bien, mais coach en quoi? Non, mais non, non, Eric, tu vas découvrir coach Patty Béton. J'ai mes spécialités et vous allez les découvrir. Je ne vais pas dévoiler. Là, je ne dévoile pas. Je viendrai comme ça avec mes points et je vais pointer. Vous voyez? Ok. C'est ça. Je Ok. Et ça te sera laisse le temps. Tu vas découvrir. une fois par semaine, parce que tu as déjà les autres casquettes, hein. Il faut préciser, est-ce que ça sera de temps à autre, ça sera tout le temps. Pour la money moto, les loyaux, on dirait ça un peu plus que les gens habituellement, quoi. Ah. Tu vois? Et il faut savoir que maman musika, ce n'est pas facile. Une relation, il y a distance et ça facilité. Donc, il y a 2 points qu'il faut suivre. Et ça, là, que soki au lingi et vanda. Donc, c'était ça, ma kambouya lelo. Je rappelle qu'on va revenir. Tozali, comment dire, Tozosa lelo. Coach time, et attends, il y a qu'au coacher. Mais nos émissions de la semaine, ça continue. C'est Society Matters. On va parler de la société, on va parler de faits de société. Mais là, je viens avec mes conseils. Hein? Je viens avec mes conseils. C'est pas du genre que, oh non, tu n'as. Non, non, non. Moi, je pense que tu dois marcher comme ça. Je pense que tu dois faire ça pour que tu réussisses dans ce que tu veux entreprendre ou dans ce que tu es en train de faire. Merci, Eric. À toi la parole. Non, écoute, peut-être Limbola siko Moulaï pena Lingala, parce que voilà, justement, tu as juste dit quelques mots en Lingala, hein, aux Oaki moi, reproche entre guillemets,
que osako négliger un peu public nayo ya batamanga là, En peut-être vrai, synthétiser un peu mais ça pendant la ligne là quoi. ça n'a rien au signe après on a continué. Batourangaï vraiment na lingaka mingi, balobi na négligé, na koti mingi na favorisé peut-être batou ya monoko ya poto. Eric, ya français. Tolobi boye, tozali pour tout le monde, tozali pour na batou nyonso, pour na biso vraiment bana mboka. Donc tozali awa. Let's talk ezala monoko, ya français ezala monoko, ya lingala ezala mo pe na anglais, soki o lingi yaka na yo kaka. Donc na pe sa peut-être réponse na ba o bazo reprocher nga peut-être nazo kende na ba émission mingi na français eza ka rapport na audience na nga eza na bande ko mingi ba yebi lingala te excusez to lingi que ba message ko me la bande ko nga na ko ko pesa bino histoire a vie na nga te mais naza kinoise naza congolaise à 100% hein naza vraiment ya mungala vraiment hein vrai lokele bon sikoyo Nga na koli ba kote, na yebani ba kote mingi pe ba West Afrique et tout un peu partout. Hein? Yango esala ke ba camarade baza mingi, ba mi baza pe mingi, bato balo ba lingala te bo excuse nga. Donc c'est pour cela na ba émission to lo ba kape po na bato mususu ba yoka. Parce que je crois que biso to zok me to fungola ka ligne, moutou aza libre ko benga pe ko lo ba na lingala ndenga lingi. Rapidement, Si, je ne sais pas, Eric, si je dois reprendre, on a quoi l'obalisus, on a outil ko ça là, nous avons ça la taille à coaching. Coaching, nous avons ça les accueils, qu'on paie ça par conseil, hein. Nous avons ça conseil, to bandier mission à Sika, concept à Sika, qu'on paie ça biso par conseil, na domaine mokoboué précis. Voilà, n'a bandi, mais il y aura d'autres coachs. Dans la bande, il y aura d'autres coachs. Il y a pas qu'on y la coach. On a un domaine, moi, qu'on y baga mingi. Il y a dans un domaine, on a une spécialité, on a spécialisé, on a dit qu'on Contacte-nous, on copie sa conseil, on a temps, on a ta 30 minutes, on pèse, et puis, biso, si qu'on a raté, on pèse, conseil, ligne, fumami, hein, et yo, ce qu'on va expliquer, ma conseil, on a eu, pèse, parce que, bah, tout nous fait, bah, question. Donc, c'est comme ça, on coach. Alors, ce soir, tu es qui, na bato, yo, merci à vous, merci à Jojo Ngandou. Ce soir, tu es qui, na kolobe, là. Bama bala, oyo babolingo, oyo ya musika, musika, musika. Toza ebele, baza ebele, 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 ebele. Toza, soki na lobi toza eza parce que nazo generalize, bo kanisate Patricia, non, nazo generalize nde. Na lobi baza ebele, toza ebele, bolingo musika, mais des fois on ne sait pas comment s'y prendre. Ndeye ni tokoki kotambusa yango, pona, Et continuer malam. Alors, Naloba qui premier point pour la rotamboussa, ba relation à Moussika Ezak, il faut boyer déjà au départ que Tozali, ensemble, Tovande et Sikamorote, mais il faut un temps. Oyo, toko vande si kamoko. Donc, bo fixe ton. So ki bo fixe te, e koza lango kaka abstrait, koza lando ya baba, comme on dit. Hein, a la de la mouka ebine ko explique te. Donc, ce sera une relation éternelle comme ça à distance, ce qui n'existe pas, et ça l'a raté dans un gisou dans le poteau, et ça l'a raté. Si koyo, deuxième point, n'abissot tolobaki, et ça l'a nini, et ça, communication, hein, ce qui n'a naké, communication, to solo là. To solo la mingi mingi ko solo la ba téléphone ba réseaux sociaux ko solo la ba WhatsApp ko solo la na ba Messenger mais ça ne suffit pas to lobby peut to varier parce qu'on ne se voit pas On ne se voit pas, tout le monde en a été. Mais il faut qu'on le console, qu'on console, qu'on appelle comme ma monotonie. Boni, nini, nini. Non, qu'on crée ma solo yasika. Hein? Qu'on crée des façons, pas qu'on crée, mais qu'on utilise par façon, mon souci à communication et zalaka. Mais on n'utilise pas. Tu utilises à rangoter. N'est-ce pas email? Il y a eu email, Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien l'adresse naïe pour nous communiquer. Toi qui vis aux makambo à distance, bolingo à distance, vous voyez bien l'email naïe, vous voyez bien l'adresse naïe. Non, surprends-le, surprendre et puis comme il aïe, na email, na boîte aux lettres, mon IP, makambo, et yé. Non, ça change un peu, ça te rapproche encore plus aux hommes. Tout le monde, quand vous avez un français, non, mais vous avez un contact physique. Contact physique, il faut s'arranger à
c'est que comme on en a moi mingi beaucoup comme on en a peut-être un mois mais ils ont là un mois après un mois pour mon ami après un mois pour mon ami fréquence moko il y a un dengue wana exactement pour mon ami un mois. Pardon, na mois moko, bon, 27 jours ensemble, après, vous voyez, on en a 7 mois après. Non, 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 ça ne va pas. Tolobaki bongo, et Tolobi, sous sous numérique, et denga, point, moussousou, Tolobi, Confiance, Robbie, confiance. confiance aux akakamute, makaka, likolo, confiance, exacte, pourquoi? Confiance exacte pourquoi? Bandana kozana na confiance na yo moko ke naza malamu naza mutu ya malamu et puis mouto naza na ye parce que nga na pesaka malamu yepe aza malamu na koza la tranquille na koka ni sele mabete à tout moment ça tue et bo maka makam ba relation na parce que vous êtes déjà à distance déjà. Quand une relation est à distance, est à la distance entre binon et que confiance est vanité, bon, va nandeni. Ozomona a été makambazo ça. Il y a que la confiance qui va faire que beaucoup tenir. Sans confiance, beaucoup tenir t'es. Beaucoup tenir t'es. Mais sous ces alakas, au Benga Kimutu, peut-être à Bossani na e téléphone, mais tango ko yamba kaka. Hé, Ozala qui va. Hé, non. T'es trop bien. Un peu doucement, hein, comme ça, on vraiment malembe. Oui, puis que Moutou, Aza Moutou, Akoko Lemba, Akoko Bossana, parce que Zomon a été, c'est vrai que c'est normal, on a une inquiétude, mais qu'aux amis, qui n'a confiance, hein, na yo, et puis na Moutouana. Tolobi, nini, li sou, que Bossana, na makanissi Moko. Exacte que, je vais donner un exemple en disant, exacte que Moutou, Boyokana, que, il faut Moutou, Moko, se déplacer, ou bien Okuna, se déplacer. Mais ezaka mutu moko mutasala rabe fort ou bien ezaka mwasi ou bien ezaka mobali mutasala ke na kende komona o mususu yo vanda na yo sake fort moko te non ça a pas marché tu ne montres pas aux autres que c'était qu'aux un intérêt moko quelconque na makambo ango alors il faut essayer un peu ya ko kozala na niveau moko ke mutoyo bozana ye soki bwana problème à budget yo pe fo aider et pas aider. Pour la kisi intérêt que ah n'a pas intérêt n'a pas motivé yo pour la kisi motivation et pas la kisi motivation et ça va que ça va marcher donc c'était ça vraiment en résumé nazonga sous la lingala tout ce que je venais de dire en français yangohana alors Eric tu as la parole ça c'était pour mes amis en tout cas bande kolangai tout sur la mangala bozala qui n'a pas ça to limbola pena lingala yangohana merci beaucoup Eric parole les épanayo. Écoute, en tout cas, Nazaga a toujours scié. Hein? Mais avant la peste, la peste à question par rapport à ce sujet, dans deux Oui. commentaires, moi, quoi, commentaires, moi, tout le monde a soupçonné. À mon Ah. avis, il a posé la carte. Moussous a lobby, français, là, ils ont la moins d'accent. Et les lingala, là, ils ont la moins d'accent. À toi, là, lingala, mais. Et moi, là, qui est là, il y a la langue, là, mais bon. Moutouana comprendre quand même Marna Lobby na Lingala, à comprendre Yango, c'est le plus important. Et qu'on le cap origine, Nangatenabine à 100% RD Congo, l'okélé. Non, moi, accent. N'appelle dit que moi, accent, ça. Mais bon, voilà la parenthèse. Merci. Ok, toujours Écoute, continuer. mais du coup, parmi les cinq, à ton avis, quel est le plus important? Parce qu'il y a quand même beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de choses dans les cinq conseils. Hein? Donc, y a certainement une question de disponibilité. Il y Oui. a aussi certainement des moyens financiers qui doivent être aussi disponibles. Hein. La distance, voilà, c'est pas seulement 100 km, 50 km. Il y en a qui ont des histoires d'amour de 1000 km, de 2000 km, Ah oui, voire à même Ossé, plus. et puis Kinshasa, hein, ça c'est kilomètres, Bon, là, tu es dans une voilà. relation comme ça, Australie, Voilà. Kinshasa. Sydney, Kinshasa, est à moi compliqué. Donc, c'est quoi la question, Eric? Quel est le plus important, à ton avis? Ou bien qu'est-ce Parmi qu'il les faut cinq. éventuellement privilégier? Ok, les cinq points sont importants, mais si je dois privilégier, moi, je dirais la communication. Et pourquoi? Je dirais que dans une relation à distance, la communication est très importante. C'est le seul moyen qui vous rapproche. Déjà, le couple qui vivent ensemble, qui sont dans une vie commune, il faut communiquer. S'il y a un, comment dire,
S'il y a un manque de communication dans un couple qui vivent déjà ensemble dans une même maison ou dans une même ville, c'est difficile s'il n'y a pas de communication. Donc la communication fait tenir, c'est la base en fait d'une relation. Alors là, combien plus forte raison une personne que vous ne voyez pas. Il est à distance, je suis à Kinshasa, il est en Australie, je suis au Congo, il est en Australie. Comment tenir, comment faire de sorte que cette relation-là puisse tenir, puisse aller de l'avant? C'est la communication. C'est le fait de l'appeler, ça prouve que la personne existe. Le fait, la communication, la plus simple, c'est prendre son téléphone et mettre appeler. Après, on peut s'écrire. Mais garder quand même ce lien-là par la communication. Garder cette relation, se rapprocher par la communication, c'est le moyen le plus simple et efficace pour tenir une relation à distance. Moi, je vais privilégier la communication sans négliger les autres. Sans négliger les autres, mais je prends d'abord ça comme un socle, je prends ça comme vraiment un moyen très efficace. Imagine-toi, Eric, tu es en Afrique, je suis ici, ça fait une semaine, on est en couple, on ne se voit pas, nous ne sommes pas dans une même maison, mais ça fait une semaine, 7 jours qu'on n'est pas en communication, qu'on ne parle pas. C'est quoi, est-ce qu'on est en couple réellement? Non, il faut parler, il faut communiquer avec l'autre. Il faut savoir ce que l'autre est en train de faire. Il faut savoir ce que l'autre pense. Il faut parler, il faut communiquer pour que, comment dire, pas forcément parler. La communication, c'est par écrit, c'est par la voix, et voilà. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est par la communication. Il faut savoir ce que nous allons faire ensemble. C'est par la communication. Comment va l'autre? Parce que ça, c'est la vie du couple. Comment va l'autre? Comment tu te réveilles? Déjà, pour les gens qui vivent ensemble, on se réveille. Comment tu vas? Comment tu as dormi? Mais s'il n'y a pas la communication pour ceux-là, ceux qui ne sont à distance, hein, ceux qui vivent une relation à distance, c'est comment vous allez évoluer? C'est la base d'abord comment une relation à distance. Je pense que j'ai répondu à ta question, Eric. Oui, effectivement, effectivement. Enfin, moi, personnellement, je pense peut-être autre chose, parce que, à mon avis, la distance, c'est quand même un vrai tue-l'amour, quoi, que vous le vouliez ou pas. Communication permanente ici, confiance là-bas, le fait de ne pas se voir, c'est un vrai tue-l'amour, parce que justement, la communication peut faire que le manque de la personne puisse être encore makasi, quoi, tu vois? Et donc, ce qui s'écoule, distance en a tellement ébellé, tellement moulaï, que pour tout le monde en a été. Au moins, tu sais que, comme on en a éléki, que Oui, communication. et on a le bas qui n'a pas point ni soana et l'autre qu'on néglige exactement. Ni c'est important. Comment qu'on solola nanu? Babo nalobi. Ce qui est aux solana mon tout. Et à ta bon mon ami, ce bon mon pas bon soana. Bon. Écoute. Yo si ko communication na lekate, si ko zolo kaka to mona na ndenge ni ngano to sola malamu te. Bato va faire la musique, bah ça la rappelle mingi té. Évidemment. Yes, oui. Bah, toi, bah, vendre la musique. Ceux qui basent, déjà, je vais dire quelque chose. Ceux qui basent la musique, il faut qu'on évite d'en payer au soin. Parce que c'est une perte de temps inutile. Et ça, vraiment, perte. Vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez pas vous chamailler comme un couple normal vivant dans une maison. Non! Bah, moi, ceux qui m'abondissent, hein, bah, soigner. Bah, bongis à tout moment. Tu vois? Et ils se voient, peut-être on peut faire des gestes qui vont faire que l'autre va céder à sa colère et tout, on peut facilement. Mais toi qui vis, voilà, 8 000 km, tu boudes l'autre. Je vois pas que on l'a quitté 2, 3 jours sans lui parler. Je vois pas que ton abino, ils ont pousse en aller sous ça là que beaucoup t'en ou bien beaucoup ça là projet à vendre ensemble. Non, c'est inutile. Et ça, inutile. Bon, je ne dis pas que il peut pas y avoir Koswana, hein, Koswana et Zali. Mais déjà, les gens qui vivent une relation à distance, essayez d'éviter, hein, de ch s'échamailler pour rien.
Non, 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 non. Il faut qu'il y ait vraiment une vraie raison pour chamailler. Bon, yo, canapé, go, c'est chamaillé. Il y a des accords. Mettez-vous ensemble, parlez, communiquez. Et puis, voilà, ben, compréhension. Et yaka, Eric. Siko, yo. Se voir, c'est important aussi. Comme tu viens de dire, Eric. Se voir, c'est vraiment important. Mais moi, je me dis, si je dois privilégier, comment dire, le contact physique, et qu'on a négligé au détriment, il y a communication. Je dois d'abord communiquer pour que mon contact physique soit bien. Est-ce que tu me suis? Osons comprendre, Bien sûr, dans ce tout Nga. chez les lots. Et na solo li normalement, pour que tant mon contact physique et zo se déplacer, na moni na mon na moto to à distance. Le courant va passer. C'est important, les contacts. Tu ne peux pas bâtir une relation à distance éternellement, mon arapé, mon touté. Non, tu vas te lasser à la fin. Non, ce n'est pas normal. Ben voilà, je pense que j'ai répondu. Vous pouvez mettre les commentaires, vous pouvez déjà envoyer vos questions par commentaire. Eric est en train de me bombarder par ces questions. Et Toro Fungo la ligne, hein? Toro Fungo la ligne, Aboué, Bandeko Babenga, bombarder n'a plus la question là-bas. Eric, n'as-tu pas la question là? Écoute, n'a question. Hein. Donc, vraiment, tous ceux qui sont en ligne, il y a quand même une vingtaine de personnes qui sont en ligne, voire même un Eric, peu plus. j'ai Oui. compris qu'Eric a souki. T'as refoulé la ligne aussi, quoi. Exactement. Ouais. Fungolaga en Ok, ligne comme ça, bah tout va bien. Hein. Ah, bah, je suis en ça. train de faire deux langues, bilingue français et lingala, pour les gens qui ne comprennent pas lingala. Tout ce que je suis en train de dire en français, pardon, lingala, c'est ce que j'ai déjà dit en français. Donc, vous ne ratez rien. La ligne est ouverte, hein, voilà. J'avais quelqu'un, je ne sais pas si maman Bibiane dort. Elle avait peut-être à nous partager une expérience par rapport à cette situation. Je vais essayer de lancer un appel à maman Bibiane d'abord. Ok, et je ne sais pas si elle est là, excusez-moi. J'essaie de lancer un appel à maman Bibiane pour voir. Oh, j'ai un appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Viviane. Bonsoir, Patricia. Alors, coach Pat Béton, ce soir, je viens de parler, je viens de donner le conseil, je viens de donner 5 points pour mieux réussir sa vie de relation à distance. Tu as un mot ou une expérience à nous partager ou une question par rapport à ces 5 points? On t'écoute. Moi, je suis, comment je dirais, une love distance sceptique, quoi. Je suis un peu sceptique par rapport à, je ne sais pas, je suis pessimiste par rapport à tout ça. OK. Je ne crois, voilà. Comme parmi ces 5 points, je pense que les gens qui ne communiquent pas, d'accord, qui n'échangent pas, ne peuvent pas avoir une histoire. Pour ceux qui sont loin, comme on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur. Donc, je ne crois pas qu'une relation à distance puisse. Bon, certes, il y en a qui résistent et qui subsistent, mais je ne crois pas que ça puisse tenir longtemps. Voilà. On a bien vu des gens qui sont ici, ils ont été fiancés au Congo, par exemple. Hein, je vois autour de moi ici. Ils ont été se fiancer au Congo et puis ils ont réuni la famille et tout. Quand la personne rentre ici, elle rencontre une barrière administrative. Et du coup, ah, oh, ma cambaron a baila nango. Ah, et si la nango? Ça veut dire que l'histoire au départ n'était pas solide. Ah, tu vas en vacances au Congo, tu craques pour une fille, ben voilà, on commence du bas là. Ah, tu la connais pas. Elle ne te connaît pas. Faites un mariage sur la base de quoi? Un coup de foudre. Je pense que les histoires, les relations à distance, 80%, ça selon moi, sont 90% sont voués à l'échec. Eric disait tout à l'heure, oh, ils ont intérêt à ne pas qu'on soit là parce que vous ne vous connaissez pas.
Déjà, si vous commencez à mettre du sable dans votre riz, bah, vous n'allez pas le manger. Hein? N'allez pas le manger, donc ça va pas évoluer. Donc, des personnes comme ça, ils se connaissent à distance. Quand le jour, ils vont vivre ensemble, croyez-moi, s'ils ne se donnent pas le temps de se connaître, dans les mois qui vont suivre, ça va péter le feu. Donc, qu'on communique, qu'on ait confiance en l'autre, mais il faut déjà au départ avoir une base commune. Voilà, il À faut avoir une. déconseiller donc. Des gens, ils se connaissent pas, ils se sont mariés, ils ont vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans. On se dit, mais hein, qu'est-ce qui a permis qu'ils soient ensemble? Qu'est-ce qui a permis que va continuer Bazakaka? Parce que ces personnes, au départ, ils ont une histoire, ils ont une, comment, une base commune, une histoire commune, ils ont un même projet. Donc, le plus important pour eux, c'est de mener ces projets-là à terme. Donc, je pense que les histoires à distance, d'après moi, les love stories à distance, non. Non, non, non. Voilà, c'est mon point de vue. Non, non, non. Hein? Loin des yeux, vraiment loin du cœur. C'est comme ça. Ok. Merci maman Bibiane. Tu vas juste libérer, ça c'est ton point de vue, tu vas libérer la ligne, tu nous suis et on va essayer de répondre à ce que tu viens de dire. Ah, ok. Allez, Merci. bonne À soirée. tout. Merci. Bon, maman Bibiane qui vient de dire loin des yeux, loin du cœur. Waouh. Mais je pense que Wanessa Vinaye, c'est son point de vue à elle. Et loin des yeux, près du cœur, moi, je dirais aussi, c'est possible. C'est pas possible. Non, c'est possible. Il y a eu des couples comme ça et Salamapé, Moussika, Bavandi. Alors ce soir, on s'adresse, ils ont vraiment, ils ont libre, maman Bibiano a libre à couper ça à Vinayo. Mais Ngana boy ko décourager Moutoumoro n'a pas quoi. Je ne sais pas si tu comprends, Eric. Bon, écoute. Ngana et Lelo, motivation et coaching pour ceux qui tiennent encore à leur relation à distance. Il y aura un autre jour, Tokoya, pas qu'on décourager, mais Kolakisa, peut-être les points qui font que cette relation-là ne peut pas tenir. Et tout dépend aussi, il y a circonstances de chacun. Bosomona, on viendra. Moi, je viens ce soir pour encourager une personne qui est en relation, dans une relation, hein, et qui est en couple, mais à distance. Te dire mes 5 points, les 5 points-là, essaie de les appliquer pour gérer. Hein. Je viens aussi, je rappelle, ceux qui sont sérieux, qui savent ce qu'ils veulent. Ceux qui sont sérieux, qui sont au départ déjà se connaissent et ils veulent être ensemble malgré la distance, on va s'arranger, on va trouver un terrain d'entente, on va savoir comment mener une vie commune. C'est ça, moi, mon point ce soir. Eric, tu as un mot avant de prendre une autre personne qui a un point de vue aussi dessus ou une question par rapport à ce point. Moi, je pense que une partie de ce que Maman Bibiane vient de dire vaut la peine quand même que toutes les mamans mouquées. Hein? Elle oublie quelque chose d'important. C'est-à-dire que elle a un peu rebondi ce que moi j'ai dit auparavant. Les gens qui ont des histoires à distance comme ça, ils évitent qu'au soin. Hein, parce que voilà quoi, donc si vous prenez la tête au téléphone, le côté commun n'en a rien à risquer, puis ils la ressuscité quoi. Donc, alors, il y a ce point-là, mais il y a aussi, elle a peut-être pas vraiment explicité cet aspect-là, le côté que tant que Bozo fan na Moussika, Boyebani peut bien t'sais, quelque part. Parce que Moussika en Moscou, ça dépend, hein. C'est comme on a dit, est-ce que ça, Moussika est à 100 km, Moussika est à 200, toi il y a 1000, toi il y a 2000. Voire même il y a 10 000, aux États-Unis, dans le Canada, ou je ne sais pas où. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, Moutango, on en aura déjà été. Beaucoup t'en peut-être, dans la circonstance, que non, vous avez passé une semaine. Bon, si on prend la carte de la vacances, alors dans peut-être 1 mois ou 2 mois, peut-être ou qu'il y a une fête, aux États-Unis, ou t'en a Moutou, ou passer 3 jours, coup de foudre, entre guillemets. Mais en réalité, Moutango est bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, si quoi, tenir à distance,
Il faut plus que ma confiance, ma communication. Il faut maintenant donc qu'il y ait un coup de foudre à sol. Moi, je pense, hein. Parce que les gens qui ont consolé, après consolé, on a pu gober, madame Soussou, certainement. Hein? Moi, je suis plus, je suis un peu méfiant, quoi. Ouais, mais bon, après, rien n'est impossible, hein. Mais il faut moins d'énergie pèse là. Bon, na comprendre que Eric Azo tenir mingi la point. Osamba coucou, hein, Josias Osamba coucou, tu peux nous appeler. À tout ni ceux qui a un droit à parole, il a écrit tu es dans les libre commentaires. d'appeler Osamba, tu es libre d'appeler, appelle-nous. Voilà. Je dis déjà au départ, je vous ai dit, j'ai expliqué dans le lobby que Tozo lo banabato, si ba coup de foudre salami. Ba sololi. Ba se mettre d'accord que relation abiso tatoza moussika. On veut continuer. Ozomona. Et arriver à un moment, tokozala esika moko. Maintenant, batouan no bazana la décision, on a kozala ensemble. Siko, comment faire? Parce qu'on peut prendre la décision d'être ensemble, mais distance ou un ezo bom, ma prochaine abino. Tu comprends? Pour que la distance ne tue pas votre motivation, votre envie d'être ensemble. Nazwa awa. Allô? Allô? Oui, j'avais enlevé. Hey, Patricia. Oui, bonsoir, maman Mondeke. Oui, tu as l'émission Let's Talk. On t'écoute. 5 conseils que j'ai donnés pour les personnes vivant un amour ou un couple à distance peuvent faire pour tenir, peuvent appliquer afin de tenir, de gérer leur relation. Tu as une question par rapport à ces 5 points où tu veux partager ton expérience, maman Mondé Koloba Pelingala. Comme j'ai dit, Eric, Bissot-Osaka International, maman Mondé est camerounaise, mais soit Lingala. On y va comme tu veux en français ou en Lingala. Parle-nous, dis-nous ce que tu as à apporter ce soir, à nous apporter, pardon, la contribution. Maman la Chloé, Voilà bonsoir, déjà je sais que tu pour avoir regardes. travaillé. Maman la Chloé, appelle-nous aussi. Ok. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? Parce que j'étais en train de vous suivre, mais je somnolais aussi. Donc j'aimerais vraiment être honnête. Je ne peux pas te dire que j'ai suivi parfaitement tous les 5 points, mais je vous suivais en somnolant. Et le mariage à distance, une relation à distance, je me dis, ça peut être aussi par grâce. Tu m'entends? Oui, tu peux parler, Oui. charmant. Oui, c'est vraiment par grâce. Quand je dis par grâce, ça veut dire ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Oui, c'est vraiment, mais comme on dit, ce qui est à toi et à toi. Donc, le fait de dire que c'est pas possible, c'est pas vrai. Ça peut marcher, ça marche parfaitement bien. Moi, je suis aujourd'hui le fruit d'une relation à distance. Je suis bien. Qu'est-ce que je vais dire? Le truc qui est simplement là, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut réellement dans la vie. Peu importe le lieu ou l'endroit où on s'est rencontrés, ou les circonstances qui nous ont permis, qui ont fait que nos chemins se sont croisés, mais qu'est-ce que je cherche dans la vie? Je peux avoir quelqu'un avec qui nous sommes ensemble dans le même quartier. On commence très bien, on vient dans la même ville et que les choses ne marchent pas bien jusqu'au bout. Donc, moi, je pense vraiment sincèrement, je crois d'abord à la grâce de Dieu. C'est vraiment par pure grâce. Et deuxièmement, je dirais que les gens doivent savoir exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent dans la vie. Et pour que cette relation aussi puisse marcher, il faut la communication. Mais la communication que je veux énumérer, c'est pas le fait d'être tout le temps au téléphone et bavarder. C'est vrai que j'étais en France, j'étais pas en Afrique, oui, mais à l'époque où mon mari aujourd'hui, on était ensemble, on parlait au téléphone, on n'avait pas de vidéo, par exemple. Donc, basically.
Patricia, moi je me suis mariée, on m'a proposé au téléphone, on m'a je me suis mariée, donc fiancée, dotée, tout, hein. Sans que j'ai logé l'opportunité de le voir comme ça, face to face, comme on dit. Donc on avait le temps de discuter au téléphone. Mais on ne parlait pas aussi tous les jours, hein, parce que souvent, tu peux être dans des lieux, dans des endroits, tu vois, suspicieux aussi, qui peuvent crier aussi d'autres choses. Ou bien tu es en train de faire quelque chose, et puis, bon, c'est souvent distrayant, tu n'es pas arrêté de pick up le phone. Tu peux parler avec la personne, tu peux discuter avec lui, mais ça dit, faites ça de manière polie et que chacun essaie un peu de se respecter, de savoir ce qu'on veut. Je comprends un peu. Parce que quand ça devient téléphone toutes les heures, ça devient un peu la police derrière l'autre. Et ça fait que ça va créer un manque de confiance entre les deux personnes. Donc, on peut communiquer et puis on peut se partager ses opinions. Et je sais que moi, je voudrais aussi dire à tout le monde qui me suit sincèrement que ce n'est pas facile maintenant qu'on, après avoir vécu une relation à distance, et que vous vous mettez ensemble, je suis vraiment honnête envers vous, ce ne sera pas facile, ce sera pas un couple qui sera vraiment de l'or. Parce qu'il y aura des attitudes, des humeurs, des comportements que vous n'auriez pas partagés. Tu comprends un peu? Donc vous serez maintenant là, vous vivez, vous allez vous découvrir étant à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé par la grâce. Par la grâce. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous conseille vraiment de prier beaucoup, sinon ça ne va pas marcher. Mais il y a aussi des gens qui ont des stratégies humainement parlant. Il y a des gens, peut-être, qui ont eu de l'expérience, ils ont eu des vies hier avec, ils ont eu d'autres relations. Ils peuvent amener ça à bout, mais peut-être, moi, je n'avais jamais eu de relation, la vivre avec un homme et tout. C'était pas du tout facile, mais bon, j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Donc, maman Patricia, je n'aurais pas vraiment resté longtemps au téléphone ou bien raconter toute ma vie. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis mariée, je suis mère des enfants, des enfants, comme tu connais bien ma famille. Le relation à distance, ça peut marcher. Comme je le dis, la confiance, savoir ce qu'on veut, mais surtout la grâce, vraiment. Si la personne est à toi, elle est à toi. Si elle n'est pas à toi, elle n'est pas à toi. Parce qu'il y a des gens, on se rencontre, la personne n'est pas à toi, tu fais tout dans la vie et la relation marche aussi. Donc, je ne peux pas dire vraiment que ça ne peut pas marcher parce que si aujourd'hui, j'ai pu faire plus de 10 ans avec l'homme avec qui je suis, qui est mon mari et le père de mes enfants, ça veut dire que quelqu'un d'autre aussi peut avoir cette grâce de rencontrer quelqu'un à distance et que ça marche. Et en plus, ayant deux cultures, parce que moi, je suis d'origine camerounaise, mon mari est d'origine congolaise, et ça a marché, par la grâce de Dieu. Ça marche, c'est possible, je crois en ça. Je pense que pour quelqu'un d'autre, si ça peut marcher. Hein? Merci. J'espère que je n'ai pas trop Merci. parlé. Merci beaucoup, Maman Mondeke. Tu as encouragé quelqu'un ce soir. Osamba, bonsoir. Merci, nous croyons. Si je ne croyais pas, je n'allais pas coacher quelqu'un ce soir. Moi, je crois aussi. Non, mais j'encourage vraiment quelqu'un qui a une relation quelque part, ou bien tu aimes quelqu'un t'aime, ou bien tu penses à quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit, faut fight par rapport à ce que tu veux, il faut savoir ce que tu veux. Je veux t'encourager, va jusqu'au bout, fonce, et ça va aller par la grâce de Dieu. Bon, Merci. si je dors pas jusque-là, bon, je pourrais revenir. Merci OK? beaucoup. Merci de nous partager, de nous faire part de comment témoignage, hein, voilà ton expérience en rapport avec la relation à distance. Merci, Maman Mondeke, Maman Pasteur. Garde, suis-nous, tu vas juste libérer la ligne. Nous continuons notre soirée. Ben voilà, c'était un moment de coach, un moment, ça c'est un nouveau concept, un moment de coach, c'est-à-dire coach time. Coach time, ce soir, première édition, premier thème, premier sujet, c'était la relation à distance. 5 conseils pour maintenir cela. Pour ceux qui pensent que ça ne marche pas, ça, moi, je ne suis pas venue dire à quelqu'un que abandonne, ça ne marche pas. Je reviendrai pour dire à quelqu'un que
Si, voilà, le chemin que tu prends, la manière dont vous êtes engagé dans cette relation à distance, ça va pas marcher, abandonne. Ça sera une autre édition, un autre jour. Voilà, ce soir, je suis venue encourager quelqu'un avec 5 points. Voilà. Alors, nous restons sur le contact. Eric, tu es en train de parler de contact physique. La ligne est ouverte. Appelez-nous au 00 44 74 5 76. 0, pardon, 0044 74 76 58 08 80 pour participer. Vous mettez un commentaire et je vais le lire. Bonsoir, mon oncle Kirongozi. Dido, oncle Dido depuis Canada, bonsoir à toi. Mamie Jeanne est connectée. Mamie Jeanne, moi, je parle mes histoires. Bon, voilà, Eric, tu peux continuer et voilà. Non, moi j'ai un titre pour la prochaine émission. Je crois que ça sera beaucoup plus intéressant. Hein, les 5 signes qui montrent qu'une histoire à l'histoire ne va pas marcher. Ça sera la deuxième partie de cette émission. Ce soir, c'était le 5 signes. La communication, la base, la communication, le contact physique, très important, dont Eric, il reste beaucoup sur ça. Il pense que c'est très important. C'est très important. C'est important aussi. Voir les choses de la même manière, s'entraider, ça c'est un autre point. Comment? Définir votre relation par rapport au temps. Fixez-vous un temps. Parce que Maman Mondeke qui vient d'intervenir, je sais, je connais son histoire. C'était vraiment le temps, ils n'ont pas laissé beaucoup de temps. Hein. C'était une relation à distance, mais qui n'a pas mis beaucoup de temps, qui n'a pas duré, ils sont mariés. Ils sont mariés même à distance déjà. Et la femme a juste rejoint. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Ils sont déjà mariés à distance, mais ils vivent vraiment à distance. Je ne sais pas si Eric, tu comprends. C'est ça. Donc, c'est pour maintenir. Moi, je parle à ceux-là. À ceux-là qui tiennent à leur mariage à distance, à leur relation à distance. Voilà les points. Il y a plusieurs, mais je pense que ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et comme coach ce soir, je suis venue avec. Vous pouvez me poser des questions par rapport à ces 5 conseils. Je suis là pour répondre ou on verra. On va continuer avec les temps. Merci beaucoup. Nous continuons notre soirée. C'est votre émission, un nouveau concept. Coach time, un temps où nous coachons, un temps où nous recevons les coachs sur le plateau de Let's Talk. Si tu es coach, tu penses que tu es expert dans un domaine quelconque, passe au studio. Si tu ne peux pas, appelle-nous, voilà, tu vas développer ton point, tu vas conseiller, tu vas orienter certaines personnes dans un domaine quelconque dont tu penses que tu as la capacité ou tu as insuffisamment d'expérience ou des connaissances pour orienter une personne. J'attends vos appels ou j'attends vos questions parce que coach time, ça prend pas beaucoup de temps. On ne reste pas pendant longtemps. On donne le conseil et on disparaît. Merci. Je prends un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Osambach, Bonsoir Patricia, fidèle à ça va bien? l'émission. Oui, ça va très bien, Dieu nous fait grâce. Fidèle à l'émission Let's Ok. Talk, heureuse encore d'écouter ta voix ce soir. Alors, quelle est ta contribution? Tu as une question par rapport à mes 5, on se base sur mes 5 points hein, pour maintenir une relation à distance. Tozo Yokayo. Ok. Vraiment, laisse-moi dire que le sentiment est partagé, hein. C'est Merci. toujours un plaisir de participer à cette émission. En fait, moi, là, c'est plus quand vous parlez de relations, vous dites de relations physiques, c'est ça? Relation, oui, contact physique. Ça, c'est l'un Contact des points, physique. oui. Contact physique, là, ça c'est un contact à coup sûr indirect, hein? Ça doit pas être un contact direct parce qu'on est à distance. Et comment vous voyez ces contacts-là? Parce que, excusez-moi, mais quand on est à distance, garder le contact physique, je comprends bien par là que ça ne peut être qu'un contact qui s'est fait indirectement, pas directement. Par le simple fait qu'on est loin, hein, c'est vrai,
On va peut-être utiliser les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Premièrement, bah, ça c'est vraiment ma question. Mais je me dis, aujourd'hui, les relations à distance, ce sont. Moi, je pense ça comme des contraintes. Des contraintes que le système nous impose aujourd'hui. Il est vrai qu'on ne peut, dans certains cas, on ne peut plus, on ne peut pas s'en passer. Hein? Et il y a des fois, c'est le travail qui t'amène à gauche, elle est là-bas encore, en train de faire autre chose. Souvent, on essaye quand même, on se dit, mais puisqu'on sait, on veut expérimenter quelque chose qui réussit, eh bien, on va tenter voir est-ce que vraiment, au bout de cela, il y a quelque chose de concluant qui peut arriver. Bon, maintenant, moi, je veux juste savoir, j'aimerais bien que vous m'expliquiez très, très bien ces contacts physiques-là. Hein? Comment vous le voyez et ça donne quoi, ces contacts-là? Je vais te garder. Je pense que la ligne ne les dérange pas, Eric. Tu peux me dire si je parle au même moment parce que je me suis déconnectée de la ligne principale. Ça va si je lui Non, réponds ça va, ça va. dans la ligne? Tu peux parler ensemble avec lui. D'accord, merci. Je vais te répondre directement. Quand on parle de contact physique, parmi les points qui font que une relation à distance peut tenir, contact physique, ce n'est pas un appel visio, non, indirect. Ça, c'est un contact indirect. Je parle d'un contact direct, c'est-à-dire on se déplace. Vous êtes obligé de vous déplacer. Il est parti. Contact physique est lobby que Oyo Azana Nord. À Longwe, à Kekolanda, Oyo Azana Sud. Ou Oyo Azana Sud, à Longwe, à Kekokutanana, parce que vous ne pouvez pas. Bokokite, je vais mélanger, hein, j'explique en français, en lingala. Vous ne pouvez pas vivre une relation sans contact physique. Non. Même si la communication est comment, vous finirez parce que il y a des choses qu'il faut faire en étant, on se voit et voilà. Il faut consolider quelque chose. Donc, quand. Je parle de contact physique kawa au sambadin kolobake, déplacement physique. Il faut qu'on se déplace. Tu vois? Donc, j'ai soulevé ces points-là, je dis qu'il était important et Eric était en train d'insister sur le contact physique. C'est-à-dire, déplace-toi. Il faut s'arranger à ce qu'on s'est déplacé. Puis, là, l'obéi, là, qui? Fréquence. La fréquence, il y a, Nini, comment vous voyez? Ne faites pas bah déplacement ou bah contact bozomonana au lieu d'aller que on se voit un mois hein, pendant 7 jours. On reste 7 jours et on va se revoir après 6 mois. Non, vous avez. Non, 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 ça va pas tenir. Je dis ceci, ce serait mieux, vous voyez peut-être un mois pendant ce temps-là, vous êtes peut-être pour 2 jours, mais. Organisez-vous à ce que vous allez vous revoir, que vous voyez encore le prochain, le mois prochain. Ben, espace y a mon qui est, mais même un jour ou 2 jours, vous êtes ensemble pour que vous puissiez vous revoir après 4 semaines. Ça sera mieux que de faire des espaces, de la fréquence. Il y a des espaces nettis. Bon, mon ami, pendant 7 jours, après, bon, 27 jours, pour que mon ami, 7 mois. Non, c'est qu'aux relations abîmées qu'on a la prolongée. Alors, pour répondre à Osamba, Ezaka que Boluka, comme on a physique, il faut Kokutana, je veux dire face to face, Lakda, contact hein, physique. Je parle de contact physique. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour les gens qui vivent une relation à distance de communiquer par ça. La technologie nous tue. Ça veut dire que je reste chez moi, c'est très bien la technologie. Quand vous voyez comme ça, j'ai un studio à la maison, c'est la technologie, c'est très bien. Je parle dans le cadre où on vit dans une relation à distance, mais au travers, on communique au travers des la technologie, des réseaux sociaux pour communiquer ou et communiquer. Bakano Oyo, tout ça, bah contact, n'a c'est comme contact indirect. Non, ça peut pas remplacer. Les réseaux sociaux ou la communication via Messenger au téléphone, ça ne remplace pas, même si vous faites des visions. Et d'ailleurs, il y a un danger. Il y a un danger en cela. Le danger est que tu fais cela
Mais pareil, aux autres salons, on a pareil. Et vous allez même plus loin à faire des choses parce que la distance vous pousse à faire des choses quand vous n'avez pas un contact physique assez régulier. C'est normal. Alors, l'inconvénient, il y a autre chose, on a pas des gars, on a pas réseaux sociaux. Tu vois, au sali, bamakamoussousso, il fallait pas. Peut-être il fallait le faire, mais parce que les kinaba réseaux sociaux, les kinaba appareils téléphoniques, et ça reste, des fois ça peut aller ailleurs. Alors que ceux qui bon mon ami na bino bozo solo là, physique bon s'arranger, c'est une relation à distance, pas éternelle. Ça ne peut pas être éternel. Ça doit avoir, je dis, mon premier point était beau fixer. Beau fixer parce que vous êtes déjà mis d'accord que beaucoup allons ensemble. Maintenant, il y a la distance qui vous sépare. Mettez-vous d'accord, il y a tant moko, il y a distance, nabino, on sera ensemble pour une vie commune. Voilà, je pense que j'ai répondu à Osamba et je vais mélanger. C'est un coaching time, c'est pas une émission comme toutes les autres. Moi, je viens avec mes points et je reste dessus. Une autre émission, on parlera des inconvénients aussi. Yaba, ninoyo, relation à distance. Na même sujet, mais autrement. Ce soir, j'encourage quelqu'un qui est en relation à distance de prendre ces 5 points et de. Voilà, je prends un appel. Allô? Allô? Oui, alors on t'écoute. Maman Kelvin qui est en ligne. Kelvin, tu attends un instant. J'ai une personne en ligne. Kelvin, on te rappelle. Merci. Osamba, j'ai répondu à ta question. Je pense que tu as compris. Je ne sais pas. Non, j'ai suivi avec intérêt. J'ai suivi avec intérêt. Sauf que, on parle là des relations à distance, ok? Oui. Et à ma connaissance, il y aurait personne. Personne sur cette terre, les hommes-là, qui aimerait vivre une relation à distance. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut toujours être à côté de cette personne-là. OK? Mais il y a des contraintes qui arrivent. OK? Et souvent, ces contraintes-là, qu'on se les dise entre nous, hein, on n'a ni les tenants, ni les aboutissants de cette contrainte. Oui. Peut-être on a été en amont de la dite contrainte, mais on ne sait pas c'est quoi l'aval en fait. OK? Parce que aujourd'hui je travaille, aujourd'hui je suis dans un multinational, aujourd'hui je dois donner un certain rendement. OK? Quand est-ce que je suis libre pour pouvoir me déplacer pour venir te voir? Peut-être après 3 mois. Mais peut-être quand je viendrai après 3 mois, ok? Je viendrai après 3 mois, mais il me laisse que, après 3 mois, on me donne peut-être que, allez, tout rond, disons, 10 jours pour être gentil, mais souvent, c'est 7 jours, 8 jours, ok? Je ne contrôle pas. Au départ, j'ai compris quand vous me dites, oui, je commençais par dire au départ que vous deviez vous attendre de combien de temps ça va se faire, de combien de temps ça va, il faudrait qu'on puisse être ensemble, oui, mais des fois on n'a pas les aboutissants, on n'a pas le contrôle de ces temps-là, ok? Mais n'empêche qu'on aime la personne. Et n'empêche que la personne t'aime aussi. OK? Alors, on sait bien que le vide est un ennemi farouche d'une relation. Mais là, puisqu'on s'est compris au départ que ben voilà, la situation est telle. Bon, ce contact physique-là ne devait pas être allez, ne devait pas être soit de courte durée ou comme nous on l'entend dans le fond. Mais on est quelque part soumis à certains devoirs qu'on doit le faire aussi.
je me donne du temps, je m'organise pour faire bien les choses plus tard. D'accord. Maintenant, comment est-ce que c'est apprécié? Alors moi, je me dis, si vraiment il y a l'amour, bon, on peut arriver à se dire, ok, ben on se le fait. Mais s'il n'y en a pas, on finit par craquer et puis ça saute. Merci Osamba. Tu as épuisé tes 3 minutes, je t'avais pas rappelé au début. Je finis Tu aussi. vas revenir, tu vas revenir. Je vais prendre Kelvin. Reste, tu vas revenir. Écoute ce que Ok. Kelvin va dire et on te prendra. Merci. Oh my God. Eric, un mot par rapport à ce que Samba vient de dire. Je prends Kelva, hein, je rappelle parce que je suis promis de rappeler. Elle a essayé à plusieurs fois. On va prendre Kelvin déjà comme ça, après on va Oui, réagir. on va prendre Kelva et on va réagir. Voilà. Alors, l'amour à distance, la relation à distance, loin des yeux, près du cœur, je dirais ce soir. Une autre édition, je dirais loin des yeux, loin du cœur aussi. Mais c'est juste pour orienter. Tout dépend de circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Maman Kelvin, je te prends, je suis connectée à l'émission Let's Talk. Je rappelle que Maman Kelvin elle fait partie de Let's Talk équipe Milton Keynes, UK, Angleterre. Maman Kelvin, tozo ka yebi sabiso na nou. Ba 5 points, na ezongi siko na po ya kinoise. Voilà. Je sais que Maman Jeanne, là où elle est, azo seka. Pour accès à Gaga, mais bon. Bonsoir, bonsoir. À 5 points, c'est vraiment bien. Il a vraiment bien. Mais j'ai une petite question. 5 points à Yohana, c'est vraiment fantastique, mais une petite question dans ce sens que le cas de maman Cécile, Oui. je crois que non. Je crois, bon, je ne sais pas vraiment, mais je crois que ils n'ont pas vécu avant, ensemble. Je ne sais pas s'ils sont connus avant, mais je ne sais pas. Mais la question à Néza, les 5 points Oyo Lobeli, pour les gens peut-être qui sont connus, ou bah, Koutanaki, coup de four, comme papa Eric Alobi, et puis après, Bakema Panzani Nabango, Batikalina, relation au téléphone, comme au Lobby Wana. Mais, pour question d'un pour le genre où comment on dit, un mariage beaucoup arrangé, comme pour le mariage à commission. Mariage à commission, donc tu ne connais pas la personne, on te propose et tu l'as jamais vu avant, on a plutôt la moune, la qui et que tu acceptes quand même. Et puis après, même si vous avez 5 points, est-ce que tu es sûr? Tu es sûr, comme tu es coach, dis-nous un peu, est-ce que tu es sûr avec tes points que ça a marché dans les balles, on va commencer ensemble. Question d'anglais. Bon. Sauf que tu es banni dans Bango, parce que moi je crois, bon, ça viendra peut-être après, moi je crois que dans le mariage, dans la relation, en fait, dans la relation, les gens ne se connaissent pas. Pendant 5 ans. Tant que vous êtes place mon côté, vous n'êtes pas dans une même maison, vous voyez, par la bénédiction. Vous voyez, par la thé. Même si vous parlez au téléphone, 24 sur 24, vous voyez, par la thé. Vous voyez, par la thé. Pour l'amour qui peut être tombé tout mon corps, deux fois, même pas un bonjour, mon côté, comme papa Eric, hier, j'étais tellement malade, je n'ai pas pu parler. Avec le mabine, le coronavirus, au lieu de la divorce. Est-ce que vivre ensemble, c'est vraiment, ils ont vraiment une vie différente par rapport à la communication. Moi, je comprends les 5 points, ils ont vraiment pour sustain relationship. Ils ont bien, mais, entre guillemets, question d'un Zawana. 5 points, voilà, pour les gens qui se sont connus, ils vont se séparer pour un temps, pour ne pas maintenir, et puis bon, ceux qui me sous question, M. César, ceux qui ne sais pas, beaucoup d'années, ils sont mobiles ici en Afrique,
Est-ce que Mbali en a besoin visa ya ouya pour rejoindre moi, si bien moi si on a visa ya pour rejoindre Mbali pour pas qu'on soit ensemble, pour pas faire la soutenir physique et que ça va venir en route. Est-ce que relation n'est pas aboutie en mariage? Point d'interrogation. Merci maman Kevin. Aussi si on a pas question na yo. Yeah, oui, Nako répondre, yo, tu peux toujours rester en ligne. À libérer, hein. Ok. Peut-être bon, à libérer, je voulais qu'elle reste. C'est mieux comme ça, Yoka. Ouais. J'allais dire, maman Kelvin a tourné, n'a pas 5 points, Wana. Est-ce que Yango Pérou Sala, que Bato Baye Banakite, en fait, Baoumela. Au départ, je dis ceci. Nazo loba naiko koche mutoyo a décidé un couple peut-être nazaki na deux types à couple couple oyo relation ezali comment bazala ki ensemble hein exemple mususu nani osamba otek ko pesa yana ba moment oyo ya vie sali que na niveau peut-être professionnel to singi que moko ake ko sala place moko et sali distance entre bolimo na bino ezali boyebani déjà mais comment dire musala est séparé bino bolingi ko kabonate alors pour maintenir na pesaki ba 5 points wana ça aide pour gérer en fait cette distance que la relation reste telle qu'elle est en gérant vraiment vous gérez cette relation à distance avec ces 5 points ça peut aider. Et deuxième type de couple na lobaki, des gens qui se sont déjà connus. On se croisait quelque part, Eric venait de donner un exemple, on s'est croisé dans une fête, il y a eu un coup de foudre, on se connaît pas encore, mais on a pris le temps peut-être de se voir et on a parlé, OK, on est d'accord de se mettre ensemble. Je parle de ces deux types de relations, de couple, pardon. On est d'accord de se mettre ensemble, les temps de faire peut-être les démarches, les temps de voir qui va se déplacer, qui va venir ici ou qui va aller là-bas. Il y a un temps aussi, il y a qu'il y a mieux. Alors pour cela, pour maintenir votre couple, pour maintenir votre relation, j'ai donné ces 5 points. Donc ce sont les personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent. Sinon, relation à distance est ça vaste. Oh, je vais dire qu'il y aura deuxième édition, deuxième émission de coaching time de ça. Et on parlera d'autres personnes aussi. On parlera de relations qui sont pratiquement impossibles aussi à distance. Je suis d'accord avec maman Kelvin. Ceux qui t'ont eu exemple à maman, maman Mondeke, c'est vrai, ils ne se sont pas connus. Et c'est pour cela qu'elle a bien dit que c'était la grâce de Dieu. Voilà, c'était la grâce de Dieu, une personne que je n'ai pas connue auparavant. Et il est arrivé que je vivais aussi loin de cette personne-là. Mais on se connaît comme ça par le biais d'une autre personne qui vous a mis en contact et la relation a marché. Ils n'ont pas mis du temps pour vivre une vie commune et au même moment, ils ont appris à se connaître pendant qu'ils vivaient ensemble. C'est une grâce. Et aujourd'hui, elle a dit qu'elle est dans son mariage. Ça marche. C'est une grâce. Ça n'arrive pas à tout le monde parce que c'est vrai, maman Kelvin, il faut se connaître. Donc, je parle de deux cas, hein, de deux types de relations, hein. Ceux qui se sont déjà connus, mais qui sont séparés par des raisons professionnelles, pardon, et ceux qui sont connus, mais qui vivaient ailleurs pendant qu'ils se sont connus et ils se sont mis d'accord qu'on va faire chemin ensemble, on va vivre une vie commune et donnant le temps pour faire les choses. Alors, c'était ça. Le 5 points qui était voilà, réservé pour eux ce soir. Je pense que maman Kelvin, tu as eu ta réponse. Tu peux nous écrire s'il y a encore une autre question. Sinon, je donnerai la parole à Eric hein, si tu as une question à me poser par rapport à ce 5 conseils, points de ce soir. Ouais, beaucoup plus qu'une question, c'est surtout un constat. Hein. C'est-à-dire que... En anglais, il y a un conseil en gros. Et ça, les timois passés. Beaucoup de gens ont des difficultés à pouvoir justement, parce que justement,
les conseils sont destinés à un type de couple bien particulier. Hein? Or, qu'est-ce que je vais dire relation à distance? Ils ont rien à dire. Les gars, maman, qu'elle va au Toloba, à Kena, Liba, la commission, on a trois jours, et puis ce qu'on a dit, yo, Kende, tout ça. Donc, du coup, ils ont déjà exclu. Donc, comme on n'en aura pas en pamba, tout ça, surtout de la visa à la Kine. On peut taper 3 ans, hein? Tu vois ce que je veux dire. Donc, Magamo, Kena, Bossala, tout le monde en aura souvent, une fois tous les mois, ou à la fois au Bossala. Donc, tu vois, c'est vraiment l'angle. Hein? C'est vraiment l'angle. C'est pas un truc qu'on peut généraliser. Peut-être une neurologie, il faudrait faire une autre émission. Il faut vraiment élargir un peu les angles. Par rapport à l'angle, c'est bien. On va concerner. Ba conseil wana ba ozongo. Je te plutôt zongo pina na nengi ya large pena. Ah ya mama tata. Mais bon. Soki na comprendre logique na yo Eric, tu ne crois pas ya na relation à distance. Non, tout dépend. Tout dépend. Ngai pour la ngai kokutana. Donc ils a 3000, 5000, to eza 200, 300 kokutana. Ma confiance, ma communication, c'est bien. Si on coûte un exacté, ça peut être un problème pour l'angai. Donc du coup, ce que je souhaite, tout le monde a négé l'angai, a négé au coûtana, notamment dans la kin, à Kouyaka, à tous les moitiés. Là, c'est ce que je veux dire. Donc du coup, pour l'angai, à mon avis, ça risque de ne pas tenir. Mais bon, après, il y a comme paix à volonté. Voilà. Eric, encore une fois, on a raison. Il faut tous à la réaliste. On a si qu'on a obima, na cadre, na qui l'angolelo, na kokote est-ce qu'on a peau. Il y a ma relation oyo. Et ça vraiment, on n'est pas réaliste. Peut-être. Voilà. Oui. Toujours pousser un peu. Bon, voilà. Je vais entrer dans ça. Côté pénal, naza moi expert moi monkey. Na koti sikoyo na place ba relation à distance au boza vraiment réaliste ti. Franchement, ozan a problème déjà bozo vivre na continent mon côté. Je prends un exemple, ya bato bazo vivre en Afrique. Moutou moko bazo vivre en Europe. Oui, non. C'est difficile, c'est difficile, il faut savoir. Soit on se voit eza relation moko eza sérieuse ti. On se voit, ceux qui n'ont qu'à l'Afrique, ceux qui n'ont qu'à l'Afrique, ceux qui n'ont qu'à l'Afrique. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Natacha Lutumba, Let's Talk Paris, tu as la parole. Alors, je vais être négative. D'entrée de jeu, merci pour les conseils pour ceux qui vivent cette situation. Mais franchement, à part il y a une dame qui a donné un témoignage par rapport à sa situation à elle. Et si j'ai compris, déjà ils marchent dans les deux en fait marchaient dans la parole de Dieu. Déjà ils avaient cette crainte là. Et donc ça c'est important parce que même moi par exemple, j'ai une collègue très jeune, elle a fait une relation à distance avec son conjoint qui est son mari aujourd'hui. Oui. Mais tu vois, il y a toujours, ils sont chrétiens, donc ils ont cette crainte-là, tu vois. Tu vois, t'es toujours là quand t'as une vie assez religieuse, pieuse et tout machin, t'as cette crainte-là de tromper la personne, de faillir, donc du coup, tu t'accroches. Maintenant, c'est la question, on a ça, il y a du sou, tout va lambda, bouche. Dans ce cas-là, on est un couple libéral, chacun fait sa vie de son côté, et quand on se voit, on se voit. Et on a monté l'inventable, moi, on a un couple libéral. Ah oui, franchement, c'est pas possible en tant qu'être humain, on est fait pour être avec quelqu'un. Comment tu veux faire perdurer ton couple si même la vie commune seulement il y a reçoit la paix? Parce que quand t'es avec quelqu'un, quand t'es à distance, si on se dispute, je me dis il est loin. J'essaie tout de suite, je m'améliore côté dans la peine, quand je suis rancunière, par exemple, je dis non, mais il est loin, je ne vais pas faire ça. D'accord?
Mais en fait, la personne, elle ne te connaît pas vraiment. Parce que tu te retiens sur certaines choses, vu que vous êtes loin. Et c'est la vie, vivre ensemble, c'est ça qui fait que le couple perdure, c'est ça qui fait que le couple, comment dire, bah, grandit. Moi, je donne aucun mérite aux couples qui vivent à distance. C'est trop facile de vivre à distance. C'est trop facile. T'as ta vie, il a sa vie, vous voyez que pour les bons moments. Et tout le reste, il n'est pas là. Non, un couple, c'est les bons moments, les mauvais, on pleure ensemble, on rigole ensemble. C'est pas un couple. Donc, merci pour les conseils, mais franchement, ces gens-là, ils commencent à trouver une solution pour vivre ensemble. On ne peut pas vivre séparés pendant 10 ans. C'est pas possible, c'est pas un couple. Donc, moi, c'était ça. Ok, merci Natacha pour ta contribution et voilà, je vais continuer, je prends un appel. Oui, alors au Samba de retour, on t'écoute. Je viens d'écouter tranquillement la dame qui a parlé. Voilà, elle a parlé. Ok, moi je partais dans ton sens là. Je trouve que, voilà, ça peut être osé, ok? Ça peut être osé. Pourquoi j'ai dit ça peut être osé? Parce que, des personnes qui viennent à peine de se connaître, ok? Moi, je me dis, personnellement, je me dis que, ils ont du temps à se donner, du temps à se donner pour bien se comprendre, pour bien se connaître. Alors, lorsque c'est encore une relation qui va se faire à distance, c'est vraiment quelque part savoir ce que l'on veut, ok? Quelque part savoir ce que l'on veut et où on veut aboutir, où on veut aboutir. On a peut-être eu le temps de connaître la personne 2 jours, quoi, 1 semaine, je sais pas moi. Après, la personne doit partir. Ben, on a quand même eu cet aperçu-là de la personne. On s'est dit, bon, premier constat, ouais, on peut tenter le coup. Bon, ben, quand on dit qu'on peut tenter le coup, à ce moment-là, tout devient possible. Tout devient possible. Maintenant, il faut que dès le départ, vous puissiez vous attendre que, écoutez, moi, je suis là-bas, mes déplacements, par exemple, ouais, brosser un peu, voilà, ta situation. Et elle aussi, elle te dira peut-être ce qu'elle pense. Bon, ça vaut le coup de tenter. Ça vaut le coup de tenter. Il y en a qui ont essayé et qui sont arrivés aussi à des résultats extraordinaires. Hein. Ils se sont mariés après quoi? Après 5 ans? Après 10 ans? Je sais pas moi, après 6 ans? Après 3 ans? Ils se sont retrouvés. Ok? Mais dans une vraie relation qui a déjà débuté, et, bon, si ça a déjà pris du temps, cette relation-là, et qu'il y a une situation qui vient pouf, semer cette cassure-là, si on ne s'attend pas bien, si on ne se donne pas des objectifs qu'on veut atteindre en acceptant ce projet-là ou en acceptant cette distance-là, eh bien, c'est foutu. C'est foutu. D'accord. Merci, Osamba, pour ta contribution encore. Et on va avancer. Et reste, tu vas peut-être intervenir encore. Merci. Alors, j'étais en train de parler. Toujours, je reviens sur ma position, ma première, hein, mon premier conseil était que vous êtes déjà mis d'accord. On a pesé le pour et les contre et on est d'accord. Mais il y a la distance, il faut faire de sorte que le temps qu'on s'est fixé, parce que mon premier point était ceci, c'est de fixer un temps. Pour maintenir, il faut fixer un temps. Il n'y a pas
une relation à distance éternelle. Là, ça devient de l'aventure. On ne parle pas de ça ce soir. On ne parle pas de situation où on ne sait pas encore si on va évoluer avec la personne ou pas. Là, ça devient de l'aventure. Et puis, je m'aimerais conseiller aussi, parce que ce soir, c'est coaching. Je conseille aussi aux personnes, à ces personnes, hein, qui sont en relation en ce moment, à distance, mais qui ne savent pas. Une relation à distance, ça ne peut pas durer éternellement, ça ne peut pas durer très longtemps, 3 ans, 4 ans, 5 ans, non. Et quelle distance? Ça dépend aussi de distance. Quand vous êtes en Afrique et l'autre en Europe, ça devient compliqué, il y aura des complications. Et est-ce que vous serez à mesure de supporter cela? Quelqu'un est en train de se jouer, hein, l'un ou l'autre, ils sont pas clairs dans ça. Quand une personne reste là dans une relation pendant des années à distance, non, il n'y a pas de sérieux. Il faut être ensemble pour pouvoir se connaître, pour pouvoir bâtir, voilà, un foyer. C'est comme ça. Mais je parle de ces relations à distance vraiment à un moment, comment dire, un temps limité. Un temps limité. Alors, pendant ces temps limités, on peut être balancé, mais il y a ce conseil qui fait que tu ne pourras pas t'éloigner de ton objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est au départ, il faut se fixer des objectifs. C'est quoi? C'est d'être ensemble à l'espace peut-être de 2 ans. Alors, travailler en fonction de cela, c'était le premier point. Après, il y a la communication. Après, il y a le physique qui est très important. Il faut se voir. Donc, je ne parle pas de coups de foudre. On se voit aujourd'hui, voilà, tu habites au nord, j'habite au sud. Et puis, voilà, on ne sait pas. Non, 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 c'est toute une organisation. Quand vous êtes déjà d'accord, vous pesez les pour et les contre, vous savez. Après, il y a le problème de budget. Il faut peser les pour et les contre, on est d'accord. Qu'on va sortir un budget peut-être pour les déplacements et tout. Il faut se mettre d'accord sur un point et puis continuer et suivre les 5 points. Alors, je pense qu'on s'est compris ce soir. Eric, tu as un mot, sinon je vais peut-être commencer à chuter parce que demain, on reviendra avec un autre thème où on peut continuer toujours à coacher comme ça. Demain, toujours avec le même sujet, je verrai et je vous ferai savoir. Eric, tu as un mot? En tout cas, maman coach, déjà félicitations. Je crois qu'on est presque à la fin de l'émission. Pour une première, c'est vraiment encouragé. Après, peut-être si tu as encore quelques minutes. Super bien parlé. Mais il y a une chose dont on ignore toujours. Balobi, okay. Osamba. Moi, ma bongisi moko boy, hein, de yokani. Hein? Sauf que, on m'a dit surtout, biso ma technicien, hein. Donc, tout ça, là, ma calcul, on a toujours ce qu'on appelle, coefficient de sécurité. Ok? Parce que tout ça, là, donné, nous sauté. Et, tout comme ça, là, ascenseur, on a, et comme il m'a qu'à attendre, on est sur 10 personnes. Avec un poids, il y a 1200 kilos. Au moins, mais à Sancerre, on a tout ça dans la capacité à Komema, 1400 kilos. Parce que tu as évité, tu as exagéré. Au lieu qu'il ait causé un accident, donc on a tout ça qui est un coefficient, il y a sécurité, tu as 1400 kilos, tu as 1200. Attends, ma mati, 6 mois, 1300. Mais au moins, il y a un attaque et un kita. On a besoin d'épargner bon moyabatu. C'est pareil quand on dit Tozana va donner Toyokani. Mais Toyokana a 100% parce qu'après, il y aura toujours des données au Koko Tanakati, au Ezaki na ébanérité. Ezaki na départé. Pourquoi Ezaki na départé va donner Wana? Et comme je suis, on dirait moi, contrainte, moi, que il faut qu'on intègre Ango. Parce que, voilà, Ezawana. Il faut qu'on intègre Ango. Ce qu'on va donner, on a donc tout le coeur ou créer ce qu'on va problème après.
Pourquoi? Parce que quand on le voit qui est bandéli, donnez-moi les à la quitter. Au moins, mais si on est comme convivre, donnez-moi la par contrainte. Au moins, et c'est là que ça va poser un problème, en fait. Ok. Merci beaucoup. Merci Osamba pour ta contribution. Merci à tous, à ceux qui nous ont suivis. Coach time, c'est un moment de coaching, un moment, voilà, de motivation aussi, un moment de conseil dans un sujet précis, hein, voilà. C'est un nouveau concept, il y a Let's Talk, un nouveau concept, il y a Let's Talk, Warobi, Tolobi, Lingala, Montolobi, français, parce que confusion, ils osent à la, Batou, Bazo, c'est bien, Mingité, mais ils sont, merci. Tolobi, Boué, coaching, Eye, concept, Yassika, Let's Talk, Toyena, coach, Nga, ce soir, j'étais coach, hein, Pati Béton, là, ce soir, pour coacher sur le 5 clés, 5 conseils, 5 points, conseils, pour mieux gérer la relation à distance. Vous qui êtes dans une relation à distance, et d'ailleurs qu'il y a 5 points à Pessimino Lelo pour la mieux gérer, pour que cette relation-là ne puisse pas, puisse continuer, hein, que vous ne puissiez pas arrêter, hein, mi-chemin. Je veux dire, j'ai donné 5. Il y a eu la communication, il faut se fixer un objectif, il faut être ensemble sur le même diapason. Il faut penser vraiment avoir être ensemble en esprit, être ensemble dans les projets, se soutenir. Il faut aussi un contact physique qui est important. Et il y avait un autre cinquième point, c'était voilà. Confiance. La confiance, surtout la confiance, parce que la personne n'est pas avec vous, la personne est loin. Quand on manque la confiance, un manque de confiance, ça commence d'abord par soi, en soi. On manque de confiance en soi et cela nous pousse à suspecter, à avoir vraiment les idées noires dans la tête. Et ça tue cette relation, ça peut tuer cette relation. Hein. La personne qu'on ne voit pas, on se base sur la confiance parce que tu as d'abord, au départ, tu as accepté de vivre cette relation-là à distance. Donc, il faut assumer. Alors, faites des efforts pour tenir. Ce qu'on l'ingue tenir la relation, voilà. Communication, Tolobi, il faut varier, variété aussi. Osa une personne, osa moussika, luka kovari. Une variété dans la communication, vous allez me dire, mais c'est quoi encore? On a le SMS, ça nous suffit, le WhatsApp, on s'appelle, les visios. Oui! Email, et kenda wapi, adresse email, donc, et les adresses électroniques, c'est ça, non? Email à Batou. Comment là, il sera un peu étonné, il sera un peu, je sais pas, ça va vous rapprocher, ça va nourrir votre, il faut nourrir cette relation-là à distance, vous ne voyez pas. Je dis qu'on ne se boude pas. On se boude pas pour nos relations et à distance, bah, c'est boudanakate parce que perte, il y a temps. Hein, tu vois, c'est là tant beaucoup, mais si comme quoi, vous pouvez bouder comme vous voulez, vous avez votre temps, vous allez vous réveiller après 2 jours, vous voyez, après ça passe. Mais là, on va arranger quand? Et l'objectif, vous êtes fixé. Et comme ça, la mandengue nini. C'était un peu ça. Donc, j'ai tout mélangé au même moment, mais je pense que, monsieur Serge, bonsoir. On est arrivé à la fin de notre émission. Un moment de coaching. Coach Time, c'est un nouveau concept de l'émission Let's Talk. Alors, je lance un appel aux coachs dans tous les domaines. Alors, tous les domaines, sans exception aucune. Il n'y a pas d'exception. Vous savez que vous êtes fort dans un domaine et que vous pouvez coacher, donner des conseils à quelqu'un. N'hésitez pas à contacter Let's Talk. C'est free of charge. Il n'y a pas de charge pour le... Il n'y a rien. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de conseils et l'espace est là pour cela. Contactez-nous. Si vous êtes loin, on peut le faire par téléphone. On va vous connecter. Et Eric est là. Il y a la magie de la technique qui est gérée par Eric. On va faire de sorte que vous allez passer et prendre le temps à coacher quelqu'un. Alors, le temps d'attendre d'autres coachs, moi, je vais passer. De temps en temps comme ça, coach time, ça sera coach Patty Béton. On va continuer avec ce sujet
c'était le 6 points, pardon, le 5 points pour gérer, mieux gérer la relation à distance. On reviendra avec le point qui font que la relation à distance ne peut pas tenir. Ça ne peut pas. Vous êtes dans le mauvais chemin. Vous êtes sur le mauvais chemin. Donc, il faut arrêter. Ça, je veux dire, je ne veux rien cacher. C'est pour aider quelqu'un. Donc, il faut arrêter. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui ont partagé ou intervenu ce soir. Moi, je vous retrouve demain, 21h, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Je vous donnerai le titre ou le thème de l'émission demain matin. Eric, si tu as un dernier mot, et on va se séparer sur le mot d'Eric. En tout cas, bon courage, hein. Bon courage, Mama Patti Mokambi. Pour béton, ils ont un nid, samedi, pour tout le monde, il y a béton partout. Bon, voilà. Oh, Mama Patti Mokambi. En tout cas, bon courage. Le concept est très, très bien. Ça montre que voilà, ma casquette est belée et que tu fais bien ton travail avec sérieux, avec amour. Et donc, on souhaite vraiment que le concept Let's Talk dans son ensemble puisse vraiment éclore et que Okeneli Bosso. Donc, voilà. Merci Eric, merci pour ta contribution, merci pour vraiment la confiance aussi à l'équipe Let's Talk, merci pour tous les efforts que tu fais pour que l'émission Let's Talk puisse vraiment tenir, puisse rester et évoluer aussi. Je te remercie pour cela et sur ces, vraiment, on va se séparer parce que, bon, il se fait tard et les gens travaillent. On rappelle qu'il y a un fléau, je ne sais pas, c'est la période de l'angoisse pour certains, une période de calme pour d'autres, mais la réalité est là, on est face à coronavirus, on est face à cette pandémie qui touche. Alors, s'il vous plaît, suivez les gestes hygiéniques. Suivez vraiment les gestes hygiéniques pour éviter de contracter ce virus ou de pouvoir donner, transmettre ce virus à une autre personne. Lavons-nous les mains au minimum 20 secondes avec du savon. Lorsque vous éternuez ou toussez, faites-le de cette manière. Couvrez-vous avec votre coude comme ça et mouchez-vous avec le papier, mouchoir jetable et voilà, évitez les contacts physiques, les bisous, les mains, se serrer les mains, évitez un maximum les contacts physiques. Et si vous êtes malade, ça veut dire si vous avez de la température, vous avez de problèmes de respiration, n'hésitez surtout pas à contacter les corps médicaux. Et c'est comme ça qu'on les gestes qu'on a pour le moment, parce qu'il n'y a pas de vaccin, ce sont ces gestes-là qui font que vous serez épargné, vous allez épargner les autres d'attraper ces virus et de tomber malade. Merci beaucoup à ceux qui aiment l'émission Let's Talk, à tous ceux qui ont suivi. Merci Rachel Ngandou, my sister. Merci là où tu es, peut-être arrivé à la fin. On sera encore là demain, Rachel. Demain, 21h, heure de Paris, pour une autre émission. Et sur ces, je vais vous faire un bye-bye. Peut-être on va se quitter avec la musique, hein, la bonne musique, la douce musique, une douce mélodie. Ça va nous faire oublier un peu ces angoisses de coronavirus et autres. Donc, c'est ça. On va essayer de mettre quelque chose pour nous séparés ce soir et on va se retrouver certainement demain. Voilà, ça sera notre soirée ça sera Society Matters, un autre thème, un autre sujet à débattre et ensemble, nous allons parler et partager. Alors, écoutons ceci, cette belle mélodie, et avec ça, on va se séparer. Merci à vous. Oh,
Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, Azaboli moi mon thème. Nangai, Alongoli soni. Nangai, Yamanangai. C'est la fin de cette émission. On se sépare avec cette belle mélodie. Toka bwani na mélodie oyo ya kitoko. Lobby, toza vous se retrouver pour un autre thème. Voilà. C'était un moment de coaching. Coach time sur le plateau de Let's Talk. C'était votre mission. To solo la, to lobe la. Parlons-en, Let's Talk. Merci, merci à tous. Merci à tous. À demain. À demain. On se retrouve demain, 21h heure de Paris. 21h, ne manquez pas, connectez-vous sur le profil de Patricia Bessombi ou sur la page Let's Talk with Patricia Bessombi pour suivre nos émissions. Ce soir, c'était un moment de coaching, hein, comment gérer une relation à distance. C'était un moment de coaching, 5 clés, 5 conseils pour maintenir une relation, pour mieux gérer, pour voilà. Continuez à vivre votre relation, mais à distance. Donc, on a coaché ce soir. Merci à vous. Des petits likes avant de se quitter, des petits j'aime avant de se quitter pour ceux qui sont là. Comme ça, on se sépare avec cette mélodie.